Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Depuis 1948, la température annuelle moyenne sur Terre a augmenté de 0,8 degrés. Au Canada, c'est 4 km d'avenues complètement submergées. L'étalement urbain s'est intensifié au pourtour de la région métropolitaine. L'industrie du recyclage est en crise au Québec. Les matières recyclables s'accumulent. Le parc automobile au Québec est en constante hausse. Depuis le début de la pandémie, presque 356 autos et camions légers se sont demandés de l'aide alimentaire. La crise n'est pas terminée. Le chômage québécois sur 5 croit qu'il aura besoin d'aide. Si on raisonnait à l'échelle d'une famille, comme on raisonne au jour d'aujourd'hui à l'égard de la planète et des générations futures, ce serait inacceptable. Plus que jamais, les défis auxquels font face les villes du monde dépassent les frontières locales. Les municipalités de la CMM sont mobilisées et posent ensemble des gestes concrets pour l'environnement. Comme densifier le territoire, favoriser des milieux de vie diversifiés et compacts, protéger et mettre en valeur les milieux naturels, réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles, accroître l'utilisation du transport collectif et actif, développer le réseau cyclable, réduire les GES, accroître le couvert forestier et la canopée, protéger les terres agricoles et soutenir le développement agricole, accroître la résilience de l'archipel, freiner la propagation des espèces exotiques envahissantes. Le 22 avril et tous les autres jours de l'année, les municipalités de la CMM mettent en œuvre une planification métropolitaine qui permettra d'offrir aux générations futures un environnement sain. Bon Jour de la Terre 2021. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie et Relations publiques et je vous souhaite la bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce rendez-vous que la société civile et les élus du Grand Montréal se donnent à tous les deux ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, le PEMAD, qui a maintenant 10 ans. Alors, la formule est différente un peu cette année avec la pandémie, donc nous avons 6 rendez-vous virtuels avec des thématiques bien précises à tous les vendredis matins qui sont ouverts à tous. On a déjà eu 2 webinaires, le premier sur l'étalement urbain au pourtour de la CMM, le deuxième sur la diversification des sources de financement pour aider les municipalités de la CMM à développer des services et maintenir la qualité du service en transport collectif.
Et aujourd'hui, on parle de densification intelligente et de protection des milieux naturels, deux sujets qui sont intimement liés et qui visent le même objectif, à savoir d'offrir des milieux de vie de qualité à tous les citoyens et les citoyennes du Grand Montréal. Alors, je nous invite à écouter ce vidéo préparé par la CMM. Un des objectifs au cœur du PMAD est de favoriser le développement dans les aires TOD, soit dans des quartiers situés principalement autour des stations de métro, des gares de train de banlieue et des futures gares du réseau express métropolitain. L'idée est de favoriser le développement de milieux de vie denses, compacts et mixtes, où les déplacements actifs et les déplacements en transport collectif sont facilités. Il faut se rappeler que la densité résidentielle est essentielle à l'implantation et à la consolidation de réseaux de transport collectif efficaces. La cible minimale que s'est fixée le PMAD est d'orienter 40 % des nouveaux ménages dans les 159 RTOD de la région d'ici 2031. Le plus récent bilan nous indique que jusqu'à présent, cette cible a été atteinte. Mais le PMAD prévoyait qu'avec des investissements majeurs dans le réseau de transport collectif, comme c'est le cas notamment avec le développement du REM, cet objectif devrait passer à 60 % qui sera donc la prochaine cible à atteindre d'ici 2031. Pour appuyer la planification aménagement-transport dans les aires TOD, la CMM participe depuis 2013 au financement de projets novateurs TOD dans l'ensemble des secteurs de la région et jusqu'ici, 45 projets ont été financés dans le cadre du programme, incluant les 10 projets en cours. Un autre objectif au cœur du PMAD est de favoriser la protection et la mise en valeur des milieux naturels. Depuis l'entrée en vigueur du PMAD, 810 hectares ont été protégés avec la contribution du programme de financement de la trame verte et bleue. En plus des projets voués à la protection, la CMM a également participé à financer 65 projets de mise en valeur de la trame verte et bleue, qui regroupent notamment des projets d'aménagement de plages, de zones de baignade, de parcs riverains et également le sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. Toutefois, avec 10,1% du territoire protégé, il reste encore beaucoup de travail avant d'atteindre l'objectif de protéger 17 % du territoire d'ici 2031. Bon webinaire! Donc, voilà qui met la table. Le pari d'une densification intelligente du territoire métropolitain est au cœur du PMAD. Et cette densification intelligente favorise en effet la protection des milieux agricoles et naturels, la sécurité alimentaire, le développement des réseaux de transport collectif et aussi l'augmentation des déplacements actifs. Et d'ailleurs, on vient de le voir, le PMAD vise à orienter au moins 40 % de la croissance des ménages dans les aires TOD d'ici 2031. En 2018, on s'est rendu compte que l'objectif était pas mal atteint. Alors, l'objectif a été rehaussé à 60 % d'ici 2031. La densification intelligente, c'est une approche qui peut sembler bousculer certaines de nos habitudes, qui nécessite beaucoup de concertation avec les citoyens, avec les promoteurs, les élus. Et donc, ça prend du temps, mais ça donne des résultats fantastiques, comme on va le voir un petit peu plus tard. C'est également une approche qui peut inspirer le gouvernement du Québec, qui vient de démarrer les travaux en vue de l'élaboration de la future stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. On vient de le mentionner, la densification intelligente, donc la protection des milieux naturels, ça favorise ça, ça favorise aussi celle des terres agricoles. Et s'il y a bien une chose que la pandémie nous a fait réaliser, c'est l'importance de cette sécurité alimentaire et de cet accès aux espaces verts. Et la CMM en a fait son cheval de bataille dès les tout début, en proposant notamment la création de la trame verte et bleue qui permet de mettre en valeur les milieux naturels de la région et d'en améliorer aussi l'accès, tout en contribuant aux objectifs de protection du PMAD.
Malgré beaucoup d'initiatives de protection, la superficie du territoire protégé stagne à 10 % depuis plusieurs années et il y a vraiment des efforts additionnels importants qui vont devoir être faits si on veut atteindre l'objectif de 17 % d'ici 2031. Et il y a beaucoup de municipalités qui souhaitent développer des projets de conservation, de protection, mais les défis sont de taille, dont les contestations, les poursuites judiciaires et les prix exorbitants qui peuvent être demandés par des promoteurs immobiliers ou des propriétaires. Donc, les défis sont importants, mais on va le voir, il y a des solutions aussi qui sont à portée de main. Avant de vous présenter les panélistes, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire et on vous invite à y répondre en grand nombre en temps réel. On va pouvoir commenter les résultats au fur et à mesure. Et vous avez qu'à réduire le plein écran, vous allez voir la question affichée. La première qu'on vous pose, selon vous, laquelle parmi les cibles suivantes fixées dans le PEMAD sera la plus difficile à atteindre d'ici 2031? Alors, on a trois choix. La localisation de 60 % des nouveaux ménages dans les TOD, la protection de 17 % du territoire ou l'augmentation à 35 % de la part modale du transport en commun. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes aujourd'hui. Monsieur Normand Diotte, maire de Candiac, représentant de l'UMQ au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Bonjour. Monsieur Alain Dessouza, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent de la ville de Montréal. Bonjour. Madame Lise Michaud, mairesse de Mercier et vice-présidente de la commission de l'environnement de la CMM. Bonjour. Bonjour. Et enfin, M. Christian Ouellet, maire de Delson, préfet de la MRC de Roussillon et membre de la Commission du développement économique, des équipements métropolitains et des finances de la CMM. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de démarrer les échanges, on a deux vidéos sur deux projets TOD dont on va discuter juste après. Un projet qui est à Candiac, un autre qui est à Bois-Franc. On écoute ça à l'instant. Nous sommes à la gare de train de banlieue de Candiac où va se situer le projet futur du TOD de la gare. Donc, c'est un projet démonstrateur de la CMM parmi les 150 projets démonstrateurs du PMAD. Alors, ici, c'est un projet de mixité que l'on fait à l'entour de la gare de train. C'est un projet qui va être à l'entour de 3000 à 3500 logements. Alors, c'est de la mixité, c'est du développement de transport collectif et du transport actif, donc dans une zone de 1 km à l'entour de la gare de train. Comme vous pouvez le constater, maintenant, le projet est en construction et ça va bon train, sans faire de jeu de mots. Alors, on est très fiers. Alors, ça va donner finalement de l'espace disponible pour les citoyens avec une place publique en plein centre du projet. C'est ce qui est planifié. Et puis des commerces de proximité aussi. Alors, on parle de mixité quand on parle dans un projet TOD. Alors, il y aura de la mixité dans le projet. Et il va y avoir aussi, en plus, évidemment, un accès au train de banlieue, 40 minutes de Montréal. C'est la ligne de train de banlieue Candiac et qui offre une offre de transport intéressante pour les futurs citoyens qui vont y habiter. Au niveau de l'offre des logements dans le projet, il va y avoir des duplex, des triplex. Il y a aussi des maisons de ville. Il va y avoir aussi des maisons à logement, des édifices de 3, 4, aller jusqu'à 7, 8 et 10 étages. Mais on y va évidemment en respectant le domaine bâti actuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu des consultations citoyennes qui se sont faites, de multiples consultations avec les citoyens pour voir de quelle façon on était pour intégrer ce projet-là au bâtiment existant. Et c'est dans ce sens-là qu'on a convenu de faire une zone tampon tout le long du périmètre qui constitue les maisons existantes versus ce nouveau projet, qui va être une zone verte accessible comme parc pour l'ensemble des citoyens. Différentes clientèles qui viennent s'installer dans le projet TOD, que ce soit des jeunes familles avec des jeunes enfants. Alors pour eux, c'est une façon de débuter, d'avoir une propriété. Ils veulent venir s'installer ici parce qu'ils ont des facilités aussi à proximité. Alors que ce soit les commerces, que ce soit les parcs, que ce soit la zone tampon qu'on va aménager en parc, alors, il va y avoir ces facilités-là. Il y a aussi des couples qui veulent vendre leur maison et ils ne veulent plus avoir à entretenir leur propriété.
ils s'en viennent ici, donc ils ont moins de terrain, mais ils ont quand même des grands espaces pour pouvoir aller prendre de l'air. Alors, ce qui fait en sorte qu'ils sont quand même intéressés à venir s'en venir ici. Il y a aussi des personnes un peu plus âgées, compte tenu qu'il va y avoir des services de proximité. Alors, eux aussi sont intéressés à venir demeurer dans un endroit où il y a de la vie, où ça bouge, où il y aura tout à porter. Le projet s'inscrit dans le PMAD. Candiac a décidé d'embarquer, évidemment, dans le projet du PMAD avec des projets structurants, des projets construits intelligemment. On ne peut pas construire les villes comme on construisait les villes auparavant. Je pense que c'est important, cette notion-là. Alors maintenant, il faut éviter l'étalement urbain, il faut penser à la biodiversité, conserver les milieux. Il faut bâtir aussi, parce que les villes ont besoin de revenus. Alors, c'est une question de bâtir intelligemment. À Saint-Laurent, nous avons eu une opportunité unique pour un quartier plus particulièrement près de la gare Bois-Franc, mais aussi créer un quartier avec une très belle ambiance et qui, on pense, répond à tous les critères de développement durable. Nous avons donc développé une vision d'une aire TOD, de Transit Oriented Development, axée sur le transport collectif et actif, qui permet aux résidents d'aller à pied, faire leur épicerie, ou amener les enfants à l'école, ou encore juste aller au travail, faire leurs courses quotidiennes. Très près du centre-ville, très près de leur travail, et puis dans un environnement qui est extraordinaire, même pour élever les enfants, si vous regardez les nombres de parcs puis les nombres de lacs qu'on a sur le projet. C'est vraiment un peu les caractéristiques de TOD. On n'a plus besoin d'utiliser notre voiture pour vivre. Le parc devient vraiment le cœur du nouveau Bois-Franc jusqu'à la gare Bois-Franc, pour faire la gare Bois-Franc une véritable gare intermodale. La haute densité résidentielle située à proximité de MASH, d'une gare de train ou un entrepôt d'autobus. Nous avons conclu une entente avec les promoteurs privés de procéder à la réhabilitation des terrains contaminés. Donc, il y avait plusieurs éléments qui étaient changés, plusieurs règlements qui ont dû adopter, plusieurs exigences qu'on avait insisté auprès des promoteurs, des standards comme LEED pour les bâtiments, les espaces verts qui seraient exigés, réduire le nombre de stationnements à cause du fait que c'était à proximité du gare. On avait dû changer le zonage pour s'assurer qu'on peut accommoder la densité qui était prévue. Des projets qui visent LEED platine dans le cas de bibliothèque, on espère. C'est le but visé pour l'ensemble des constructions. Donc, c'est sûr qu'il y a une multitude d'autres critères au niveau développement durable qui sont intégrés dans l'architecture des bâtiments. Les habitations sociales, il y a 12 % et il y a des habitations abordables. Donc, ces exigences ont été négociées avec ce consortium de développeurs et qui était entériné dans un document. Et on a tout soumis ça à des consultations avec des citoyens pour s'assurer que la communauté aussi partageait cette même vision que nous avons eue. Inspirant. Alors, Monsieur Diotte, je vais commencer avec vous. On parle de densification. Quand on parle de ça, il y a plusieurs qui pensent qu'on va avoir des tours de 18 étages un peu partout. Mais à Candiac, c'est pas ça qu'on voit. La densification intelligente ou à échelle humaine sur votre territoire, comment ça se traduit à travers ce projet-là? Comment c'est imaginé? Oui, merci Léla. Donc, j'en profite pour saluer mes collègues ici présents ici aujourd'hui. Alors, écoutez, Léla, pour parler de densification intelligente, moi, j'aimerais ça revenir à la base avec des constats qui sont importants, qui nous amènent aujourd'hui à ce phénomène-là. Je pense qu'il faut se dire et se rappeler que 70 % de la population mondiale va vivre en 2050 dans des aires métropolitaines. La CMM est une aire métropolitaine. Donc, on s'est donné aussi les moyens avec le PEMAD, justement, de pouvoir répondre à ces attentes-là. On sait que les changements climatiques aussi ont un effet fort important sur tout le monde et sur les municipalités aussi. Alors, la CMM, avec son PEMAD, s'est donné trois axes, comme on le sait, l'aménagement du territoire, l'environnement et le transport collectif. Le transport collectif, axe structurant, ligne de train de Candiac, gare de train de banlieue, d'où l'origine du projet. Donc, nous avons été identifiés Candiac comme étant un projet démonstrateur de la CMM pour développer un projet de TOD. Alors, on est content de le faire, mais maintenant, de quelle façon on le fait? Il faut s'organiser dès le départ.
Alors, la façon qu'on l'a faite, nous, à Candiac, dans un premier temps, c'est de faire un plan stratégique. De revoir notre plan stratégique, on s'est donné un horizon jusqu'en 2033. Et pour ce faire, ben, ça prend l'adhésion, évidemment, des membres du conseil au PEMAD. Première chose qui est en place depuis le 12 mars 2012. Donc, il faut que tout le monde adhère au PEMAD, passe une notion à ses orientations. Le conseil de ville a aussi, à l'intérieur de son plan stratégique, adopté les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Alors, c'est quand même pas rien. C'est un changement quand même important et majeur. Alors, de faire cette adhésion-là et que le personnel aussi soit d'accord avec ces orientations-là, alors ça a conçu notre plan stratégique que l'on a mis en place. Maintenant, après ça, après cette base-là, bien, quels moyens on prend pour pouvoir réaliser un projet TOD de densification? Bien, il faut être prêt à innover. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on ne construit plus les villes de la même façon que nous le construisions auparavant. Alors, il faut changer nos paradigmes, il faut voir de quelle façon on va le faire, et il faut être prêt à innover. À titre d'exemple, Candiac a mis en place un Form Based Code, première ville au Québec, donc il y a 4 ans, à mettre en place un Form Based Code. Alors, c'est de la réglementation basée sur la forme versus l'usage. Alors, c'est important, cette notion-là. On a enchâssé ça dans notre réglementation, ce qui fait en sorte que quand on a des projets structurants, bien, on s'y réfère et ça devient la norme maintenant pour tout projet de développement. Alors, c'est un élément fort important qui guide nos urbanistes à l'interne quand ils discutent avec les promoteurs. Alors, évidemment, c'est un exemple concret pour pouvoir aller de l'avant. L'autre chose, bien, il faut mettre tous les partenaires à contribution et on aura probablement le temps d'en parler un petit peu plus tard tantôt sur les enjeux. Alors, Candiac n'est pas propriétaire de ces terrains-là. Alors, vous allez voir le nombre de partenaires qui sont inclus dans un projet semblable. C'est assez important. Alors, ça va être un enjeu qu'on pourra discuter un petit peu plus tard. Alors, tout ça pour dire qu'on veut faire de la densité intelligente pour pouvoir faire des milieux de vie, de qualité de vie. Alors, de quelle façon on le fait? Place publique, protection de l'environnement, espace vert, élargissement des trottoirs, transport actif, transport collectif. Donc, il y a plusieurs notions qui rentrent à l'intérieur, finalement, de densification intelligente. Et on pourra parler aussi, évidemment, tantôt, du milieu bâti qui est à côté du projet TOD. Alors, ça aussi, comment on intègre la population dans un projet semblable. Alors, bref, ça pour dire que le mot magique, c'est gestion du changement. On va retenir, et puis c'est quand même un projet qui a à peu près 3000 logements, et c'est ça, je comprends que c'est pas... Il y a différentes façons de loger ces gens-là. Là, tout le monde n'est pas dans le même type de logement, puis on n'a pas des grandes tours non plus, donc c'est vraiment une mixité de logements que vous avez prévu pour ça. C'est une mixité de logements, mixité d'usage aussi. On parle de commerce alentour de la gare de train. On parle de triplex. On parle de bâtiment, évidemment, de 3 étages. Non, on n'ira pas à 16, 18 étages, mais par contre, on est déjà en négociation pour des projets à 8, 10 étages et peut-être 12 étages. Alors, ça fait partie aussi, je vous dirais, des changements, OK, qu'il faut mettre en place et comment on vit ça maintenant, une densification semblable. Alors, c'est un défi quand même important parce qu'on ne veut pas non plus bâtir n'importe quoi. Alors, il faut être très sévère, d'où notre Form Based Code, notre réglementation, et de bonnes discussions avec les promoteurs parce que, comme je vous disais tantôt, au départ, nous n'étions pas propriétaires des terrains. Alors, ça prend vraiment une collaboration de l'ensemble des partenaires pour y parvenir. Puis jusqu'à maintenant, je peux vous dire que ça va très bien. C'est bon, on va y revenir de toute façon un petit peu plus tard. Monsieur Dessouza, on a vu aussi le TOD de Bois-Franc. Ça apporte quoi à l'attractivité de votre territoire quand on bâtit un TOD comme ça? Et puis, pour l'impact sur vos citoyens, comment vous pourriez nous décrire ça? Mais premièrement, merci Laila. Salutations à tous mes collègues, mais aussi à tous les gens qui nous suivent sur cette podcast. Donc, vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Mais... le projet que nous en avons, mon collègue le maire de Yacht a donné la cadre de référence dans laquelle au niveau mondial, au niveau du CMM, on se situe. Et puis pour nous, à Saint-Laurent, je pense qu'on a trouvé une opportunité en or parce qu'avec le gare Bois-Franc représenter la pointe modale avec la REM qui va avoir 5 stations sur notre territoire. Il y aura un prolongement de la ligne orange vers cette station, dont il y aura un aspect intermodal. Et sachant que l'État a dépensé et va dépenser énormément d'argent sur cette infrastructure majeure, on a voulu
voir par quels moyens on peut maximiser le bénéfice pour tous les contribuables, pour nos citoyennes. Le projet présentait certains défis, parce qu'on a dû travailler avec l'arrondissement voisinant. Donc, il faut s'entendre sur les valeurs, il faut s'entendre sur la vision, il faut s'entendre sur les éléments de base de comment on peut offrir une très bonne qualité de vie aux gens qui vont s'installer pour que les citoyens simples qui vont l'installer ne verront pas la différence entre les diverses juridictions, entre les diverses. Pour le citoyen, ce qui compte, c'est la qualité de vie. Et nous, à Saint-Laurent, on est très axés sur le développement durable. Donc, je pense que c'était la pierre angulaire de notre réflexion pour voir par quels moyens on peut créer un milieu qui est accueillant, qui est fun. Les gens peuvent avoir du plaisir de flâner, d'avoir les services, mais aussi d'être très connectés, très attachés avec la nature. Donc, la nature de connectivité avec toutes les communautés qui nous entourent était très important. Notre corridor de biodiversité qui est en proximité a été une des façons dans laquelle, par les voies terrestres, on peut connecter la nature avec le développement du Gare-Bois Franc utilisant des corridors déjà existants. Mais au-delà de ça, sur tous les autres aspects de connectivité, des pistes cyclables, volets piétons et autres, on a voulu créer un lien où les gens peuvent avoir non seulement la connectivité, mais une ambiance intéressante. Un peu comme le maire Diotte a dit, on ne vise pas des gratte-ciel, mais on est capable de créer des lieux qui non seulement ont des lieux où les gens peuvent vivre, mais aussi ils peuvent avoir du plaisir. Et à ce moment-là, la notion des espaces publics, le volet de l'environnement, les lieux qui amènent les gens de toutes sortes de communautés pour vivre ensemble, ça devient la clé pour le succès. Donc, notre projet est très axé sur cette mixité d'offres de services, mais déjà aussi de tenir compte de la diversité unique que nous avons dans notre territoire. En Saint-Laurent, j'en ai 166 ethnicités différentes. Et la beauté de ça, on vit en paix et harmonie un à l'autre avec un respect mutuel. Donc, les lieux publics tel qu'on vise un projet Bois-Franc, c'est un lieu où les gens peuvent se connaître, peuvent avoir une appréciation et puis apprécier la notion de la diversité que nous avons déjà présente dans notre communauté, mais qu'on souhaite. Le dernier point, puis je vais laisser mes collègues aborder d'autres points, c'est la notion de famille. Au fil des ans, Saint-Laurent est devenu, sur l'île de Montréal, la pôle d'attraction pour les familles, des jeunes familles avec des enfants. Et on a voulu maintenir ça. C'était fait avec les projets comme Bois-Franc et Nouveau-Saint-Laurent, que nous en avons déjà. Et on a voulu bâtir un lieu qui est une extension, qui va attirer des familles et des jeunes. Et de l'offre de services pour ces familles, ça a été un élément important dans notre réflexion et dans notre prise de décision. Merci beaucoup. Alors, plusieurs similitudes avec M. Diotte. Donc, c'est important d'avoir un cadre commun puis une adhésion des objectifs qu'on vise ensemble. Et puis là, cette connectivité entre les différentes collectivités avec la disparité de tous les gens qui habitent le territoire permet de rassembler ces gens-là. Donc, il y a quelque chose de très rassembleur, justement, avec le fait d'attirer des familles, en plus. Donc, des belles répercussions d'un projet comme ça. Madame Michaud, donc, à Mercier, évidemment, c'est surtout la protection du territoire agricole qui est au cœur des préoccupations. Et puis, vous êtes en train de mettre sur pied un projet novateur de parc agricole qui est aussi un projet d'économie circulaire avec l'implication des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui vous amène à monter un projet comme ça, un projet qui n'a pas encore été dévoilé vraiment, mais que votre réflexion qui vous amène à développer ce genre de projet-là sur votre territoire. Parfait, merci. Effectivement, ben, premièrement, il faut prendre connaissance de notre territoire. 46% de notre territoire, 46 kilomètres, c'est de la superficie de notre territoire. Tout près de 90% de ce territoire est en zone agricole. La particularité qu'on a, on a une rivière qui traverse notre territoire. Personne n'y a accès autre que des propriétés privées. Donc, on n'a pas d'espace public pour donner un accès à notre rivière. On a un secteur agricole très important, mais
on a une problématique avec la formation de la relève de notre pour les agriculteurs. On a 3 boisés importants sur notre territoire qui sont des érablières. 2 sont en exploitation, un autre qui est en plein cœur de notre territoire, de notre ville, mais que personne n'y a accès, puis personne n'exploite, donc l'utilise, personne ne peut en profiter. Donc, quand on a vu cette situation-là, on s'est dit, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. On a une terre agricole qui nous permettrait d'avoir un accès à notre rivière, qui nous permettrait d'avoir une formation de notre relève agricole et qui nous permettrait d'avoir un accès au boisé, qui est une érablière qu'on pourrait mettre à la disposition de nos citoyens de Mercier, mais de la région aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé à la CMM pour nous permettre de nous aider financièrement et nous supporter financièrement et logistiquement à mettre un tel projet réalisable sur notre territoire. C'est des beaux enjeux auxquels vous essayez de répondre et qui, je pense, occupent beaucoup de gens, dont notamment cette relève de main-d'œuvre importante. Et effectivement, avec la pandémie, on l'a vu, donc l'accès à la nature, l'accès à l'eau, l'accès au boisé et de pouvoir compter justement sur la CMM avec ce travail de PEMAD pour vous aider dans l'accomplissement de ça. C'est très inspirant. Monsieur Ouellet, de votre côté, la Mercier de Roussillon, dont vous êtes le préfet, travaille depuis longtemps à la création d'une aire protégée dans le fameux corridor vert, entre autres Château-Guélery. Ici, on a une belle concertation entre les municipalités et les citoyens, mais là, c'est avec les promoteurs que ça se corse. Et puis, la municipalité de Léry est aux prises avec même une poursuite Bâillon de 44 millions, si je ne m'abuse. C'est énorme. Comment ça se passe, la solidarité entre municipalités, quand on a une voisine comme ça qui se ramasse avec une poursuite démesurée? Comment ça se vit sur, au quotidien? Mais ça heureusement, ça se vit très bien. Je pense qu'on est témoin, effectivement, d'une belle solidarité municipale. Je pense que ça vient mettre en perspective l'importance que les élus de la MRC, les 11 maires et mairesse, accordent à l'importance là, qu'ils accordent à l'aménagement des qualités de vie, à la conservation de la qualité de vie et des milieux naturels qu'on peut avoir sur notre territoire. Ça, dans un premier temps, c'est le bout important. Vous parliez, je vais juste, Leïla, si tu me permets, je vais juste faire une petite précision. C'est pas tous des promoteurs, hein. Il y a des propriétaires de terrain qui sont propriétaires fonciers depuis longtemps. Donc, oui, il y a des promoteurs immobiliers qui souhaiteraient développer ce terrain-là. Alors, depuis 2012, on ne prendra pas tout le crédit de cette belle unité-là des élus. Depuis 2012, les élus de la MRC ainsi que de la CMM ont identifié un corridor, le corridor boisé métropolitain Châteauguay-Léry, et qui renferme, faut être honnête, là, qui est riche, très riche, écologiquement, qui a une biodiversité impressionnante. Et c'est ce qui a fait en sorte que on se retrouve tous ensemble dans le même bateau parce que la MRC applique la réglementation gouvernementale, donc les orientations gouvernementales qui sont appliquées par la CMM et ensuite par la MRC. Donc, c'est la MRC qui se retrouve avec une poursuite, dont les deux villes de Châteauguay-Léry. Et il faut comprendre qu'il y a 95 % du corridor qui est à Léry, qui est une petite municipalité de 2-3 000 personnes et avec un budget de 4 millions. Fait que, on comprend qu'une poursuite de 45 millions de dollars, c'est pas peu dire. Donc, cette solidarité-là a fait en sorte que la MRC a pris le dossier pour aider puis créer aussi un règlement, de la réglementation pour protéger ce boisé-là, parce que tous les élus sont unanimes. C'est unanime à la MRC de Roussillon. On veut protéger. Donc, on a mis en place un règlement pour protéger le plus possible le boisé, mais ça fait en sorte qu'on a encore une poursuite qui est devant les tribunaux en ce moment. Là, c'est une poursuite qui va être entendue dans pas long. Et vous comprendrez qu'une ville comme Léry, qui se retrouve avec des centaines de milliers de frais, toutes sortes de frais juridiques et autres frais professionnels, avait besoin d'aide. Puis j'en suis
sérieusement vraiment fier là, de j'ai deux de mes collègues qui sont ici aujourd'hui, qui sont à la MRC de Roussillon. Je pense qu'on peut être fier de cette solidarité municipale-là. Merci. Donc, il y a énormément de belles volontés, de belles concertations, une solidarité, des projets novateurs qui bousculent quand même, mais il y a de la résistance. Et on le voit avant de poursuivre. On va avoir les résultats de la première question qu'on a posée à nos participants. Alors, selon vous, laquelle des cibles suivantes fixée dans le PEMAD sera la plus difficile à atteindre d'ici 2031. Je ne sais pas si on peut afficher les résultats à l'écran, mais c'est vraiment la part modale en transport en commun qui, d'après 47 % de nos répondants, va être la plus difficile à atteindre. Et je pense que je vais leur donner raison là-dessus, compte tenu du financement que ça exige. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Mme Michaud. Oui, j'aimerais réagir, mais en même temps, j'aimerais juste revenir un petit peu sur ce que j'ai dit tantôt. Notre réalité dans le municipal, quand on a 90 % de notre territoire qui est agricole, c'est la diversité de nos revenus. 90 % sont agricoles, mais 80 % de nos revenus sont résidentiels. Et je dois souligner l'aide de la CMM qui nous ont fait une compensation agricole pour les municipalités qui font partie de la CMM, dont ils ont un taux agricole très important sur leur territoire. Et ça, ça nous a permis justement d'avoir les moyens de protéger davantage des boisés, comme on parlait, ou de mettre des projets comme la formation agricole sur des terres qui nous appartiendraient. Si on n'avait pas eu ce type de compensation agricole-là, on n'aurait pas été capable de faire un type de projet comme ça. Bien, c'est intéressant. C'est des outils donc faits sur mesure qui tiennent compte de la diversité du territoire. Là, c'est même au même titre qu'on a fait des règlements. Monsieur Diotte nous en parlait tantôt, qui encadrent un peu pour l'État et tout ça. Donc, le sur mesure est super important de prendre compte de cette diversité-là. Monsieur Diotte, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ça revenir sur le résultat du sondage que vous venez juste là, de publier. Alors, c'est intéressant quand même de voir que sur la mobilité, là, l'objectif de 35 % va être difficile à atteindre. C'est sûr qu'on vit quelque chose de spécial présentement aussi avec la COVID. Puis, bon, il n'y a pas grand monde dans le transport en commun, à peine moins de 10 % d'achalandage. Mais en même temps, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on sait fort bien qu'on veut mettre des gens dans le transport collectif. On a des réseaux de transport structurants. On construit justement des aires dans l'entour du transport existant ou futur. Alors, pour que les gens puissent prendre le transport collectif et évidemment développer le transport actif aussi. Alors, c'est sûr que c'est un objectif qui va être difficile à atteindre, mais je pense qu'on va y arriver. Il y a une situation contextuelle aujourd'hui présentement. Mais je pense que les gens vont revenir dans le transport collectif. Il faut continuer aussi à développer notre réseau pour développer l'offre de transport à nos gens, créer des milieux de vie comme on le fait avec des TOD alentour de ces gares ou de trains ou stationnements incitatifs ou métro, etc., pour justement en arriver avec une qualité de vie, comme le disait mon collègue Arlene tantôt, faire des milieux de vie dans ces endroits-là, que les gens soient là et qu'ils soient contents d'y vivre, qu'il y ait les services à proximité. Alors, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas atteindre cet objectif-là. Les autres sont tous importants, on en convient. Mais si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est le jour de la Terre là, hier, puis on a vu la beau vidéo tantôt. Alors, on est très conscientisé à ces enjeux-là, pardon. Alors, il faut faire des actions concrètes. Et des actions concrètes, bien, je pense que le transport collectif, on sait qu'à peu près 50 % des gaz à effet de serre viennent du transport. Alors, il faut vraiment que cet objectif-là, comme les autres d'ailleurs, mais on puisse les réaliser. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est penché la semaine dernière, précisément là-dessus, donc avec toute la diversité des sources de financement possibles et tout ça. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi le webinaire de la semaine dernière, vraiment, je vous invite à le faire. Monsieur Dessouza, on a parlé de la poursuite Bayon là, qu'il y a à Léry. Vous avez déjà vécu un cas similaire, en tout cas, Meadowbrook, hein, le gars de Meadowbrook a fait l'objet de même... et puis, je pense que c'est pas le seul. Il y a beaucoup, ça arrive souvent là, quand c'est des propriétaires comme ça. Comment vous vivez ça? Comment on traverse une poursuite comme ça? Parce que vous l'avez vécu vous-même. Bien, merci pour la question. Je pense que la PEMAD a des objectifs ambitieux. Donc, moi, le maître Diotte a parlé sur le volet de part intermodale. Le niveau de protection pour les milieux naturels, c'est aussi un élément très, très important. Et
on a une obligation de résultat. Je m'en souviens très bien qu'on a eu la consultation pour le plan métropolitain. La société civile était au rendez-vous. On a eu plus que 400 mémoires qui étaient déposées. Et je pense que c'était presque un pacte social, un pacte moral que la CMM et les villes ont avec la société civile pour la protection. Maintenant, nous, on a une obligation de résultat. Et pour cette raison, c'est un changement. Je m'en souviens qu'à l'époque, il n'y avait pas eu une grande cohésion entre les diverses maires. Mais aujourd'hui, je suis étonné, agréablement étonné avec le niveau de complicité, la cohésion, la consistance avec tous les maires, soit du Couronne Nord, Couronne Sud, Laval, Longueuil et finalement l'île de Montréal. Donc, les projets que nous avons visent protéger. Ça devient difficile de protéger un milieu naturel en milieu urbain. Et même s'il y a la volonté, les poursuites que vous mentionnez sont très intimidantes. C'est jamais le fun de l'avoir, une mise en demeure qui dit, regarde, un terrain qui a été acheté comme à Meadowbrook, 3 millions de dollars, on vous actionne pour la pleine valeur de développement de ce terrain de 44 millions. Ça fait repenser tout le conseil. Personne n'a les moyens d'être capable de le faire. Et pour cette raison, il faut qu'on trouve non seulement la solidarité, mais les mesures législatives pour nous permettre de contrer ce genre de phénomène. C'est sûr qu'on doit défendre ça en cours parce que c'est pas des projets à court terme. C'est une vision de la plan métropolitain à long terme pour les générations à venir. Et puis, je pense qu'on a une obligation de se doter avec des outils financiers, législatifs et autres pour le bien commun. Et si on réussit, on maintient cette solidarité que M. Ouellet a parlé tantôt, mais regarde, on va réussir dans la réalisation de ce plan. Merci, M. D'Souza. C'est vrai, vous avez la mémoire de l'évolution du PMAD. Vous étiez là il y a 10 ans, donc vous avez vu là, toute cette solidarité aussi se bâtir, ce partage d'objectifs. C'est très inspirant. Monsieur Diod, je reviens à vous. Le projet de TOD qu'on a vu tantôt, ça a quand même pris 7 ans de préparation pour arriver à ça. Et c'est quoi les principales difficultés auxquelles vous vous êtes heurté dans ces 7 ans-là? Oui, bien, premièrement, j'ai mentionné tantôt qu'il y avait plusieurs partenaires. Alors, ça, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est que nous ne sommes pas propriétaires, nous n'étions pas propriétaires, on n'est pas plus aujourd'hui propriétaires des terrains. Donc, il y a plusieurs propriétaires et promoteurs et tous les partenaires aussi présents gouvernementaux. Donc, comme dans à peu près tous les dossiers, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, etc. Alors, il y a même aussi EXO, qui était l'AMT à l'époque. Et on parle aussi du Canadien Pacifique aussi, qui est la ligne de train de banlieue de Candiac. Alors, ça fait beaucoup de monde pour s'asseoir autour de la table pour discuter d'un projet intégré. C'est l'objectif, parce qu'un TOD, c'est un TOD. C'est pas 5 TOD, un à côté de l'autre. Alors, ça, c'était le défi. Et on a commencé par, dans un premier temps, avec le ministère de l'Environnement, parce qu'on parle justement de l'environnement, c'est fort important aussi. Alors, il a fallu compenser, OK, des milieux humides qui étaient là, OK, ailleurs dans la municipalité. Alors, c'est un exercice qui, justement, a pris plusieurs années, OK? Et on est content d'avoir, au bout de 6-7 ans, réussi à avoir un plan de gestion des milieux humides et un plan de compensation des milieux humides un petit peu partout dans la municipalité, entre autres le long de la rivière La Tortue, où on a pu, grâce à ça et grâce à la CMM, la trame verte, la trame bleue, rendre disponibles les berges aux citoyens, en faire un sentier naturel qu'on va ouvrir cet été. Alors, vous voyez que ce travail-là a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions, de négociations pour en arriver à une entente où, finalement, la base était là, où on pouvait finalement développer parce qu'on a pu compenser ailleurs, puis c'est bien correct, OK, les milieux que nous avons pris pour le développer. Ça, c'est le premier élément. Mais après ça, c'est les discussions avec l'ensemble des partenaires. On a une bretelle d'autoroute qui est en train de se régler là, présentement sur la sortie sur l'autoroute 15. Ça fait des années qu'on discute aussi avec le ministère des Transports afin d'avoir un autre exutoire sur l'autoroute 15. Alors, c'est fort important. Et là, ça chemine bien. C'est pas toujours facile, mais ça chemine bien. Et puis aujourd'hui, ben, on est rendu presque à l'apogée, une réponse bientôt de ça. Alors, ça, c'est un autre élément. Alors, quand on met tout ça, puis je veux pas oublier non plus que c'est un milieu bâti. Le TOD est à l'autre bout de la ville. Il n'est pas en plein milieu de la ville.
OK? Alors ça, il faut prendre ça en considération. Il faut prendre en considération le territoire de la ville et comment le conseil de ville veut développer son territoire. Et ça, je remercie la CMM et l'Observatoire pour nous avoir donné depuis quelques années les statistiques sur chacune de nos municipalités, sur les superficies, etc., et plein de statistiques concernant nos territoires de chacune de nos villes. Alors, c'est fort utile et ça nous aide évidemment à l'ensemble de nos gens à l'interne pour pouvoir y travailler. Alors, tout ça fait en sorte qu'avec ça, bien, on fait un travail d'équipe et on s'assure de faire progresser les choses. Mais j'en reviens au milieu bâti, parce que c'est à l'autre bout de la ville, mais un milieu bâti à côté. Alors, il a fallu consulter les citoyens, évidemment. On ne peut pas empêcher la participation citoyenne dans des projets semblables. Dans tout projet aujourd'hui que nous faisons, alors je pense que tous les élus ont été concernés par ça. Et donc, il y a eu plus d'une dizaine de rencontres qui étaient faites avec un comité citoyen qui était mis en place avec le milieu bâti à côté pour en arriver avec des solutions parce qu'il y avait plusieurs questions, je peux vous dire, et des dizaines de questions. Et elles ont tous été prises une par une et avec des réponses qui, jusqu'à maintenant, sont à la satisfaction des citoyens. Alors, ce processus-là, il est long. Et quand vous parliez tantôt, si c'était une première version, non, il y a eu plusieurs versions. Plusieurs versions d'un plan particulier d'urbanisme. Il y a plusieurs allers-retours qui ont été faits en fonction des commentaires et des promoteurs et des citoyens du milieu bâti à côté, fort important. Ce qui veut dire, entre autres, qu'on va y aller en gradation quand on va bâtir nos futurs bâtiments. On n'ira pas mettre un bâtiment de 6-7 étages à côté, donc d'un bungalow. Alors ça, c'est important. Créer des zones tampons aussi entre le milieu bâti et ce qu'on veut construire dans le TOD. Alors ça, c'est des négociations avec les citoyens, avec les promoteurs, pour en arriver qu'elle nous donne une partie de terrain. Alors ce sont des négociations hein, partout. Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus long, mais on va y arriver finalement avec l'approbation de tous. Donc, beaucoup de consultations de parties prenantes et c'est intéressant. Monsieur Ouellet, est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour une municipalité de faire l'acquisition de terrain à prix raisonnable? Est-ce que la CMM vous aide dans ce genre de démarche-là? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui pour aider nos citoyens d'avoir la chance d'avoir accès au milieu naturel? Absolument, c'est encore possible, mais il faut faire aussi une distinction entre acquisition et protection, parce que faut en protéger aussi des boisés, puis faire de l'acquisition de boisés, ça devient démesuré. Je pense qu'on va en parler peut-être un petit peu plus tard là, sur la loi sur l'expropriation, là. Je veux pas entamer ça tout de suite, mais je pense que si les villes travaillent ensemble, parce que tout seul, on peut aller plus vite, mais en gang, on va pas mal plus loin. Puis, c'est ce qui s'est passé avec la MRC. Je vais vous donner un exemple. À Delsud, on a protégé, on a un beau parc de conservation que la ville a acquis le terrain. Mais on parle d'un million de pieds carrés. C'est encore raisonnable. Et en zone inondable ou en milieu humide, ça va bien. Mais quand on se retrouve avec 272 hectares qui représentent 30 millions de pieds carrés, que les promoteurs évaluent à 50, 45, 50 millions, on est ailleurs, là. La CMM, ça, c'est indéniable, je dois louer cette aide-là de la CMM de par la trame verte et bleue. On sait qu'il y avait une enveloppe de 100 millions qui est presque écoulée. Il y a une autre enveloppe là, de 100 millions qui est sur la table en ce moment. Alors oui, c'est encore possible, mais à de la juste valeur marchande. Ça, c'est important. Et en mettant en place aussi des plans d'action qui se font avec la MRC, parce que je vais parler de ma MRC, on parle de notre MRC avec en ce moment 7% de son de couvert forestier et l'objectif du PEMAD est 17%. On a du travail à faire. Donc, ça prend de l'aide. C'est pas chacun des citoyens tout seul qui va pouvoir combler ce manque de 10%-là. Mais je pense que toutes les villes ensemble, la MRC a promis de mettre un plan d'action en place pour atteindre ces objectifs-là. Mais oui, ça prend de l'aide et il y en a à la CMM. Ça, je vous le promets, c'est vrai.
Bon, bien, c'est ça. Donc, ça prend des moyens financiers quand même. Madame Michaud, est-ce que vous vous frottez aux mêmes enjeux sur votre territoire qui a vraiment une particularité vraiment différente? Est-ce que c'est le même genre d'enjeu que vous vivez? En fait, nous, on est en début de projet. Par contre, la différence, c'est que nous, on est en zone agricole. Donc, il n'y a pas de promoteur qui peut dire « je vais développer un AirTod » parce qu'on est dans un milieu agricole. Donc, on n'a pas la même problématique. Par contre, pour le propriétaire, c'est-à-dire… on est à une première rencontre bientôt pour commencer à partir les négociations, mais on a une évaluation faite par un évaluateur agréé et tout, là, donc on s'en vient avec les prochaines étapes. C'est bon, monsieur de Souza, je pense que vous aviez levé la main juste avant monsieur Diotte. Mais merci, merci Lala. Je voulais juste renchérir sur le point que le maire de Yacht a soulevé sur la question du consultation des citoyens. Pour autant que le maire de Yacht a parlé de la cadre qu'avec nous comme élus, on doit tous travailler dedans, mais je pense que si on veut des projets, soit du TOD ou développement, et on doit tenir compte non seulement de la qualité de vie, comme j'ai exprimé tantôt, mais la volonté des citoyennes. Et si nous voulons que nos projets soient ou obtiennent l'acceptabilité sociale, c'est essentiel qu'on implique les citoyennes dans la prise de réflexion en amont sur une base itérative. Donc, si ça nécessite 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions, comme la maire Diotte a dit, mais so be it, il faut le faire. Mais l'implication des citoyennes s'assure que quand on vient à la fin de l'exercice, il y a une décision à prendre, on ne frappe pas un mur. Et donc, j'axe beaucoup sur l'implication des citoyennes parce que ça, c'est un des meilleurs gages de succès. Et à ce moment-là, tout le monde peut voir un peu de eux-mêmes, de leur valeur dans le produit final. Merci, M. Diotte. Oui, j'aimerais ça juste compléter sur ce que Lise a mentionné tantôt quand elle parlait de son contexte particulier à la ville de Mercier. On a tous un contexte particulier. Chacune des villes a un contexte particulier. C'est ce qui fait la beauté de la chose des 82 villes puis la CMM. Alors, quand on parle d'atteindre des objectifs qu'on a mentionnés tantôt, les trois objectifs, ben c'est ensemble qu'on va les atteindre, ces objectifs-là. On ne peut pas chacune des municipalités uniquement penser qu'on va atteindre ces objectifs de pourcentage, je parle, qu'on va y contribuer tous et chacun. On ne peut pas dans chacune des municipalités dire qu'on va avoir 30 % de couverts forestiers, 17 % de milieux humides, puis 35 % de parts modales. Alors, je veux juste que ce soit important de penser que c'est ensemble, tout le monde, qu'on va atteindre ces objectifs-là. Alors, on a tous nos particularités et puis on est tous complémentaires pour y atteindre. Merci. Écoutez, M. Diotte, je continue avec vous parce que est-ce qu'il y a à l'heure actuelle une collaboration avec le gouvernement du Québec et la CMM pour justement aider les municipalités à leurs projets, à avoir les coups des franches aussi dans la négociation, que ce soit de terrain et tout ça? Est-ce que c'est en cours actuellement? Ben écoutez, oui, il y a des choses qui se passent, même si c'est pas récent. Je peux vous dire que depuis un certain temps, plusieurs années, l'Union des municipalités du Québec, entre autres, a fait des démarches en ce sens-là afin de supporter les municipalités pour pouvoir se donner des options, je vous dirais, de pouvoir avoir des terrains, que ce soit pour des écoles, que ce soit pour des bâtiments municipaux, ou que ce soit tout simplement pour fin de protection de territoire, pour augmenter justement des pourcentages, soit de milieux humides ou de terrains boisés. Alors, ça, c'est en cours. Et puis, bon, je peux faire un aparté, si vous voulez bien, que, bon, on a une situation d'un golfe. Je ne suis pas tout seul non plus aussi qu'un golfe sur son territoire. Et actuellement, évidemment, on est en discussion avec le gouvernement pour pouvoir voir de quelle façon, toujours en lien avec ce que Christian a mentionné tantôt, la loi sur l'expropriation, OK, de faire bouger les choses rapidement dans ce sens-là. Alors, on veut s'assurer que le gouvernement nous aide à atteindre ces objectifs-là. Et présentement, comme c'était mentionné tantôt par Christian, on ne peut pas se permettre, les municipalités, de pouvoir acheter ou acquérir des terrains, que ce soit pour fin, soit de, comme je l'ai dit tantôt, pour des fins de service public, des fins de préservation du territoire. On ne peut pas le faire présentement avec la loi qui est en place. Alors, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer à cet effet-là.
Et on est en discussion présentement, effectivement, pour pouvoir demander au gouvernement de nous accompagner, de faire les changements afin qu'on puisse arriver à ces fins-là. Merci beaucoup. Ça recoupe un peu, M. de Souza, tout à l'heure, vous avez mentionné que ça prend des pièces législatives, des règlements pour vous aider. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont à portée de main qu'on pourrait obtenir du gouvernement pour nous aider? Bien, si le gouvernement veut faire une mesure législative, ça pourrait être assez simple. La mesure pourrait être que pour les biens publics, soit des écoles ou soit pour les milieux naturels, pour la conservation ou d'autres pour le besoin public, que les expropriations pourraient se fixer à la valeur du terrain en question au lieu de la valeur de développement ou le potentiel de développement du terrain. On se voit souvent que soit par spéculation, où il y a des gens qui font des achats et après ça demandent des montants exorbitants. Et je pense que ça ne rend pas nécessairement notre société plus riche dans ce sens-là. Donc, si effectivement on peut, dans la loi d'expropriation, viser simplement une petite mesure qui fixera la valeur comme la valeur du terrain, comme la compensation, je pense que ça peut être un élément très simple qui peut aller très loin pour le bénéfice de tous les villes à travers du Québec. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure la juste valeur marchande. Oui. Exactement. Donc, c'est ce que vous souhaitiez obtenir du gouvernement pour justement vous permettre de réaliser des projets. Donc, ça, d'après vous, est-ce que c'est compliqué à obtenir ça? C'est vraiment… Mais je pense que je compte, la CMM était en appui de ce genre de mesures. Je pense que l'UMQ et l'FQM probablement sont aussi en appui. Quand j'entends mes collègues faire un référent, je pense qu'eux aussi. Donc, il y a un grand consensus dans le monde municipal, mais ça nécessite que le gouvernement du Québec réalise que ça, c'est des mesures très simples de réaliser leur objectif, notre objectif, sans nécessairement coûter une fortune. Et je pense qu'à ce moment-là, un terrain qui a été acheté à 3 millions pourrait être compensé à 3 millions, mais pas nécessairement à 44 millions comme on a constaté. Puis deuxièmement, ça évite qu'on va en cours pour débattre la valeur de terrain, parce qu'il faut comprendre que la Ville de Montréal a dû aller en cours pour Meadowbrook, dépensant d'argent pour finalement arriver à la conclusion que ce n'était pas 44 millions, c'était 3 millions. Donc, on sauve en termes de l'argent, on sauve en termes de temps et on a des résultats beaucoup plus vite. Personnellement, je pense que ça ajoutera une grande crédibilité au milieu gouvernemental, soit municipal ou provincial, quand les citoyens veulent voir que ces genres de résultats sont obtenables si facilement. Merci, M. Diotte. Vous vouliez compléter là-dessus? Oui, compléter. Merci, Léla, rapidement, avec ce qu'Arlene vient de dire, entièrement d'accord. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir. Le paiement de relève de quoi, dans un premier temps? Des orientations gouvernementales, des OGAP. Alors, ça vient du gouvernement. Alors, si on veut réaliser ces objectifs-là, je pense que ça prend l'appui du gouvernement, tout à fait. Alors, c'est un partenaire. Il faut continuer à l'être partenaire. Et cette modification-là de réglementation ne coûte rien. Alors, il y a ça aussi. Alors, souvent, quand on parle de mettre en place des programmes, etc., etc., ben, ça prend des millions. Non. Là, c'est un changement de réglementation qui coûte pas cher. C'est très précis et très clair. Monsieur Ouellet, le gouvernement est en train justement de mettre les bases pour cette stratégie nationale d'urbanisme d'aménagement des territoires. Quel conseil vous donneriez au gouvernement pour élaborer cette stratégie sur la base de la discussion qu'on a des incontournables? Est-ce qu'il nous reste beaucoup de temps, là, parce que j'en ai beaucoup de conseils? On vous écoute! Ben, je pense que mes collègues en ont parlé, mais l'honneur de la guerre, c'est toujours l'argent. Puis effectivement, lorsqu'on parle de gestes concrets, là, les meilleurs conseils, c'est de modifier dans un premier temps la loi sur l'expropriation afin qu'on puisse donner aux propriétaires fonciers. Comme je vous disais tantôt, il y a quelques riches spéculateurs qui vont faire de l'argent avec ça, mais il y a des gens qui sont propriétaires de ces terrains-là aussi qui souhaitent peut-être faire autre chose avec le terrain, qui ne sont pas nécessairement des spéculateurs, mais il faut être en mesure de donner la juste valeur marchande. On peut pas, comme M. de Souza disait, les terrains qu'on parle dans le corridor Boisier-Châteauguay-Léry sont évalués à 2,2 millions, là, l'évaluation municipale.
et on nous poursuit pour près de 50 millions. Fait que c'est démesuré. Donc, on a besoin de se donner des outils pour se donner le moyen de nos ambitions. Donc, moi, le conseil que je donne au gouvernement, c'est donnons-nous des outils. Et ça passe aussi par des plans d'action pour renforcer ces mesures de protection-là. Parce que là, on a la trame verte et bleue. Parfait, ça joue son rôle, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un plan d'action pour spécifiquement la protection de boisés si on veut atteindre l'objectif du gouvernement de 17 %. Donc, c'est moi ce que je souhaite, c'est ce que je lui propose, c'est d'avoir un plan bien précis, d'établir aussi des modalités de financement, parce que le gouvernement, c'est nous aussi. On est citoyens de notre ville, de la MRC, de la communauté métropolitaine de Montréal et de la province de Québec aussi. Donc, on a notre part à faire. Par contre, je pense que ça serait important de s'asseoir avec les villes et de développer vraiment des outils. Donc, ça, c'est les conseils que je donne. Puis, il y a des, je me répète peut-être, là, mais une ville comme Châteauguay, qui a 100 millions de budget, peut se permettre de peut-être acheter des terrains à 3, 4, 5, 6 millions. Mais une ville comme Léry, à 4 millions de budget, ne peut pas acheter des terrains à 6 millions, puis ne peut pas assumer une poursuite de 50 millions. Donc, le meilleur conseil, c'est de modifier la loi sur l'expropriation. Et pour beaucoup d'autres raisons, mais pour les milieux naturels, pour établir la juste valeur marchande, je pense que ça va être fair pour tout le monde. Merci beaucoup. Et comme M. Diot l'a dit, ça ne coûte rien. Donc, voilà une solution déjà apportée demain. Madame Michaud, donc on a des élections municipales qui s'en viennent à grands pas et peut-être des nouveaux élus, des nouveaux maires mairesse qui vont arriver. Quel conseil vous donneriez à un nouveau maire, une nouvelle mairesse qui souhaite démarrer un projet de mise en valeur sur son territoire pour être sûr de faire ça et d'éviter certains obstacles que vos collègues ont pu avoir? En fait, le courage de rêver, le courage d'avoir une vision à court et long terme, le courage de ne pas avoir peur d'aller frapper aux portes de partenaires qui peuvent nous aider justement à atteindre ces objectifs. Donc, toujours avec le courage, puis comme mission d'avoir un milieu de vie intéressant pour nos citoyens, pour notre collectivité, je pense que tout est réuni là pour permettre à quiconque qui a le souhait vraiment de desservir une communauté d'atteindre des objectifs. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on a nommé, donc évidemment, cette juste valeur marchande qui revient énormément. Évidemment, des sous pour aider aussi les municipalités à acquérir. Et là-dessus, le programme de la CMM qui est très apprécié de ce que j'entends et qui doit être renouvelé. Donc, ça aussi, ça demande de l'aide, j'imagine, gouvernementale aussi. Madame Michaud, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. On parle de densification intelligente, puis on parle de modification, puis faire des recommandations au gouvernement. Je vous dirais, une des choses qui est importante, c'est d'éviter de faire du mur à mur. C'est pas vrai que sur le territoire de la ville de Mercier, qui est 90 % agricole, on peut réaliser un TOD comme il se fait à Candiac, par exemple. Donc, il faut éviter de faire du mur à mur, puis garder la diversité qu'on a, nous permettre de la garder. Donc, ce serait le conseil que j'aimerais à donner au gouvernement et à la CMM dans le nouveau PEMAD. Monsieur Ouellet? Ben, je vais ajouter l'enjeu est de développer et de conserver. Il est là, l'enjeu. Et c'est un enjeu qui nous regarde tous, pas seulement les villes. Chaque citoyen, chaque entrepreneur aussi, parce que vous savez que la conservation des boisés, ça regarde aussi les agriculteurs. Lise a une ville à 90 % dans notre MRC. On a 73 % de notre MRC. On est la plus grande, plus grosse, plus populeuse MRC au Québec, avec près de 200 000 personnes, citoyens. Donc, et on a 73 % de notre territoire qui est en agriculture. Donc, en agriculture aussi, il y a de la déforestation qui se fait. Donc, c'est tout ce plan-là qu'il faut mettre en place. Les villes ont des enjeux, mais tous nos citoyens aussi ont cet même enjeu-là. Mais le plus difficile à concerter, c'est développer et conserver. C'est pas évident, effectivement. Un équilibre qui est pas facile à maintenir. Ouais. Monsieur Diot?
En fait, c'est le mot, Léla, que je voulais amener. C'est l'équilibre. C'est exactement d'accord. Ça. C'est toujours comme dans n'importe quoi, trouver le juste milieu, trouver l'équilibre. Il y a des besoins financiers des municipalités, mais il y a aussi des besoins de conservation, de nature, etc., des besoins d'environnement, bref, divers. C'est toujours de trouver l'équilibre. Puis moi, je dirais peut-être aussi un dernier point, c'est qu'il faut beaucoup sensibiliser la population à nos réglementations. OK, parce que ça bouge, ça évolue. Et des fois, la population ne comprend pas pourquoi on fait des gestes semblables. Alors, il y a beaucoup d'éducation à faire, ne serait-ce que le PEMAD, on a un outil merveilleux entre les mains, les 82 municipalités, et il y a beaucoup d'informations qui se font, mais c'est à nous aussi, en tant qu'élus, à faire percoler ça à l'intérieur de nos villes pour sensibiliser nos populations à les outils qui nous encadrent, puis le pourquoi qu'on fait ça. Alors, à ce moment-là, les gens adhèrent beaucoup plus okay, à ce qu'on fait, parce qu'ils comprennent ce qu'on veut faire. L'éducation est revenue à peu près à tous nos webinaires jusqu'ici, avec cette notion d'acceptabilité sociale, évidemment. Et effectivement, après 10 ans, les élus du Grand Montréal ont pu intégrer le PEMAD, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes aux premières loges du PEMAD, donc les citoyens, comme tels, ça demande quand même un apprentissage, une cour d'apprentissage plus rapide qu'on pense. Monsieur de Souza, vous voulez ajouter quelque chose? Ben, regarde, en termes de conseils à donner, c'est toujours facile, mais en même temps, je pense que c'est aussi, on doit regarder nous-mêmes dans le miroir. Les citoyens nous choisissent pour notre jugement. On a une obligation de démontrer la compétence pour que les gens aient confiance dans notre prise de décision. On a une obligation d'être crédible et la compétence nous aide à être crédible, mais on a aussi l'obligation d'être cohérent. Et cohérent dans notre prise de décision. Donc, quand on prend des décisions comme le PEMAD avec des objectifs, à chaque niveau du gouvernement municipal, dans l'arrondissement, la ville, le CMM et autres, et même le gouvernement du Québec, il faut avoir une cohérence parce que les citoyens ne veulent pas qu'on parle de la deux côtés de notre bouche. On ne peut pas, dans un sens, avoir une PEMAD et puis après ça, chercher des dérogations qui vont à contresens des objectifs du PEMAD. Donc, si parmi tous ces mots, je choisis un, c'est la cohérence. La cohérence, effectivement, qui est revenue aussi à toutes nos discussions. Écoutez, là-dessus, je nous invite à aller voir les questions que les participants nous posent, parce que je pense qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les échanges. Donc, on va déjà aller voir la première. D'après vous, qui doit participer aux négociations avec les promoteurs? Est-ce que les élus devraient se retirer des délibérations? Monsieur Ouellet. Je ne crois pas que c'est une question d'élu, très honnêtement. C'est une question administrative, la négociation d'entente avec les promoteurs. La CMM a passé une résolution le mois dernier en mentionnant qu'il mandatait le directeur général à entamer des négociations avec les propriétaires des terrains. Parce qu'on parle de promoteurs, mais je reviens toujours, s'il vous plaît, il y a des promoteurs, là. Il y a des propriétaires, pardon. Donc, oui. Je ne crois pas que les élus doivent s'immiscer dans ces négociations-là. C'est mon point de vue. Monsieur Diotte? Je suis d'accord avec Christian. C'est un processus administratif. Alors, il faut séparer la politique de l'administratif. Alors, toute demande qui rentre devrait passer par nos départements d'urbanisme. Et c'est à eux, nos experts, nos professionnels, qui sont là pour évaluer les différents projets qui vont avec la réglementation en place. Et par la suite, il y a un processus qui existe au niveau de la loi sur la LAU, sur l'urbanisme, qui fait en sorte qu'après ça, ça suit son cours au CCU. Il y a un comité de consultation d'urbanisme qui est là, qui est en place pour évaluer les différents projets, qui sont recommandés après ça au conseil de ville. Alors, c'est le processus qui est en place et je pense qu'il est tout à fait adéquat. Madame Michaud, vous voulez compléter là-dessus? Oui, bien, un peu ce que mon collègue vient de dire, ou ce que mes collègues viennent de dire, mais en bout de piste, évidemment, ce sont les élus qui vont prendre la décision. Tout le volet de négociation, tout ça, c'est administratif. Mais en bout de piste, la tête qui est sur le bio, c'est celle de l'élu, et c'est l'élu qui doit prendre la décision d'après les négociations qui ont été faites par l'administratif, effectivement. Monsieur de Souza, vous vouliez compléter là-dessus? Mais je pense que la compréhension des rôles de chacun, c'est important. Le conseil, les élus, par voie du conseil,
donne des orientations et la fonction publique, avec les services d'urbanisme et autres, réalise la volonté. Et une fois qu'ils ont une proposition à faire, c'est la conseil. Pas une personne, pas le maire, pas un conseiller, mais la conseil qui prend une décision. Donc, je pense que si on connaît le rôle de chacun, on peut s'assurer que par inadvertance ou même par accident, qu'un ne se mêle pas avec l'autre. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on a la confiance de la population. Donc, un cadre commun, des directives claires pour permettre aux administrations de faire leur travail de négociation, puis une décision qui est prise collectivement par la suite, en fonction de cette cohérence qu'on a mis au tout début. On a une question pour M. Ouellet directement. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a une poursuite exactement à Châteauguay-Léry? Bien, la poursuite est en lien, c'est des terrains qui sont zonés blancs en majorité, donc c'est des terrains qui sont construisables. Donc, c'est pour ces raisons-là. Alors, il y a des gens qui souhaitent développer ces terrains-là et ne sont pas satisfaits de la réglementation qui est en place et contestent la réglementation. Parce que la réglementation, il y a eu un règlement en 2012 qui a été adopté à la MRC par les villes aussi. Et il y a un nouveau règlement 215 qui protège les boisés, du moins qui en protège une grande partie, près de 55%. Ça, c'est notre réglementation. Et les propriétaires fonciers de ces terrains-là ne sont pas satisfaits, donc ils poursuivent les villes, la MRC, et mettent en cause la CMM et le gouvernement du Québec. Ça fait du monde impliqué. Merci. À Candiac, il y a moins de 20% des résidents qui se dirigent vers le centre de Montréal. Le train y est en compétition avec l'auto et le futur REM. Quelles mesures prévoit le projet TOD pour favoriser les déplacements en transport collectif vers les autres villes de la Montérégie? Monsieur Diotte. Bien, écoutez, c'est sûr que dernièrement, on a entendu des propositions d'annonces potentielles de réseaux structurants de transport collectif, ce qui est fort intéressant. Donc, on est très heureux de ça. Alors, ce qu'il faut faire, je crois, c'est de s'assurer d'avoir une cohérence, je reprends les mots de mon collègue Allen, une cohérence au niveau du réseau structurant de transport collectif sur le territoire du Grand Montréal. Et pour ça, il y a une gouvernance qui a été mise en place, qui est l'Autorité régionale de transport métropolitaine, qui a eu le mandat, entre autres, de faire une planification sur le territoire de la CMM. Alors, moi, je suppose et je suis confiant que les gens qui sont attitrés vont faire en sorte de regarder toutes les possibilités qui s'offrent sur le territoire en termes d'investissement en transport collectif, de faire les bons choix. Et il faut aussi s'assurer de regarder les réseaux qui sont existants. À titre d'exemple, on a présentement la ligne de train de Candiac qui comprend 4 RTOD. OK? Alors, il y a celle de Candiac, mais il y en a une aussi chez Christian Adelson. Il y en a deux aussi à Saint-Constant. Donc, il y a 4 RTOD qui ont été identifiés par la CMM sur la ligne de train de banlieue de Candiac. Alors, évidemment, ce réseau structurant-là fait partie d'une globalité au niveau de la CMM. Alors, il faut regarder tous les autres aussi axes structurants. On en a d'autres aussi sur notre territoire, comme ailleurs aussi. Il faut regarder toutes les possibilités pour s'assurer d'offrir à nos citoyens le meilleur réseau possible, okay, qui va faire en sorte de bien desservir l'ensemble des municipalités pour s'assurer pas juste de faire du transport vers Montréal comme c'était avant pendulaire, mais étant de besoin de développer le SOS. On s'entend tous là-dessus, mes collègues sur la Couronne Sud. Et puis, il faut s'assurer d'avoir maintenant du transport SOS, qui est une nouvelle réalité, nouvelle mobilité maintenant des personnes. Et on est dû pour avoir effectivement un réseau qui va répondre à ce besoin-là. Merci. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été abordé aussi au webinaire la semaine dernière. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus aussi, je vous invite à aller l'écouter. Monsieur de Souza, la dernière question est pour vous. Vous avez mentionné la notion d'abordabilité. Sur quoi, pour les terrains, sur quoi celle-ci se base? Est-ce que c'est en dessous du marché? Comment on se base pour déterminer cette notion-là? Je pense que il y a deux notions, puis je sens allant trop technique. Il y a le prix pour lequel le terrain a été acheté. À ce moment-là, je pense que basé sur les valeurs marchandes des
chose comparable, ça établit la valeur de terrain à l'achat. Mais la tendance est plus que les spéculateurs prétendent que leur terrain va beaucoup plus parce qu'ils prétendent avec le zonage résidentiel, industriel ou autre, que ça va beaucoup plus et qu'il doit être compensé sur la pleine valeur développée de leur terrain, qui n'est pas comme Christian dit, c'est ailleurs complètement. On n'est pas dans la même game du tout. Donc, ça veut dire que personne n'est contre de s'assurer sur une base équitable, le propriétaire du terrain soit compensé sur une base d'une valeur marchande. Mais de baser une compensation sur une valeur spéculative qui peut-être ne réalisera jamais, ce n'est pas équitable aux contribuables, ce n'est pas équitable à notre société. Et moi, je suis plus beaucoup sur l'équité de la transaction. Et ça, c'est la raison pourquoi je pense. Je ne pense pas qu'il y a des gens ici sur notre panel qui souhaitent payer moins que la valeur. Il va être équitable, mais pas des montants exorbitants qui ne font aucun sens et qui n'accordent pas avec la réalité. Merci, ben c'est très clair. Écoutez, là-dessus prend fin notre panel d'aujourd'hui. Alors, Madame Michaud, Monsieur Ouellette, Monsieur de Souza, Monsieur Diot, merci beaucoup pour toute cette franchise et ces commentaires que vous avez faits pour nous aider à comprendre la situation pour faire cette densification intelligente qui nous permet d'avoir des milieux de vie de qualité pour nos citoyens du Grand Montréal. Notre prochain rendez-vous est le 30 avril, soit vendredi prochain. Et ça aura pour terme la ruralité et la sécurité alimentaire. Donc, Madame Michaud, on va venir rejoindre un peu votre secteur. Vraiment, on va aborder les défis des municipalités rurales et la question de la protection des terres agricoles. Et ça sera la même formule qu'aujourd'hui, donc 4 élus qui vont apporter leur éclairage sur ce thème-là. Et ça va, on va avoir donc avec nous la mairesse de Brossard, Madame Doreen Assad, la mairesse de Saint-Philippe, Madame Joanne Beaulac, le maire de Saint-Eustache, Monsieur Pierre Charon, et le maire de l'Assomption, Monsieur Sébastien Nadeau. Alors, pour assister au webinaire de l'Agora, il suffit de vous rendre sur le site web de la CMM, vous inscrire en ligne, c'est gratuit et vous êtes vraiment tous les bienvenus. Alors, au nom de la CMM, je vous remercie infiniment pour le temps passé avec nous aujourd'hui et à vendredi prochain. Merci. Merci. Et merci. Salut, bon. Merci salut beaucoup. Tout le monde. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.